15h43 UTC, on est actuellement à 15 nœuds 3 dans un vent de 18 nœuds 9. On est sous numéro 1, numéro 4, grand vol haute. Et le vent, ouais, a refusé. On est à 95 degrés du vent. C'était prévu, hein, on savait que c'était prévu. On va aller voir le routage. Et le routage me dit de descendre encore un peu plus. Mais en vrai, je supprimerais bien ce point-là. Oui, et faire une ligne droite. Taper une ligne droite ici, tu vois. Taper limite une ligne droite. Oui. Et voilà, ça serait beaucoup mieux, je pense, niveau angle vent. Ouais, clairement, je pense que c'est mieux. On a le même angle au final, mais... Ouais, je pense que c'est mieux à faire. Donc on va regarder la route que ça nous donne tout de suite. Route, éditer route, routage 3, tableau de marche, un cap au 94, et là on est au 95. Bah du coup, 94, allez on abat d'un degré, voilà. 94, non pas 93, 94. Parfait. 94. On va régler les voiles. Essayer de tirer le barbare vers le bas. Barbare vertical bordé. Là, c'est le numéro 1. Donc, c'est celui-là. Voilà. Essayer de tirer sur les coudes et de compenser avec l'angle du barbare. Écoute de numéro 1 bordé un peu. Et on va relâcher du barbare horizontal. Choqué. On a essayé de tirer sur l'écoute et de compenser avec le barbeur. On va reborder un tout petit peu d'écoute. Border. Non, trop. Ok, on va rester comme ça du coup. Et le numéro 4, il doit être à peu près pareil. La voile d'avant est trop creuse, essayer de tirer sur l'écoute et de compenser avec l'angle du barbeur latéral. Barbeur latéral. Tirer sur l'écoute. Donc écoute de numéro 4, border un peu. Et on va choquer du barbeur latéral. Choqué. Voilà. 14 nœuds 7, c'est pas mal. Capot 94, 93, c'est bien. Voilà. Normalement, on est plus nord que la position des sables. Nous, on est par 47 nord et les sables sont par 46, ouais. Il nous reste... On va enlever le point des... On va valider ce point-là parce qu'on l'a passé, clairement. Je vais mettre ça, ça. Et donc voilà, il reste plus que le dernier point à valider. Ce point, c'est des sables de l'Aune. Et là, il faut rentrer de la voile. En rouleur de numéro 4 bordé. Ouf. Voilà. On était beaucoup trop agité là. On est plus qu'à 13 nœuds, ouais, mais c'est le jeu. Hein. 94 degrés du vent, on est un peu plus serré au vent. C'est là où je crains le retour de eux, là. Parce que là, on va à 13 nœuds, par exemple. Et eux, ils doivent encore bombarder, quoi. Ah non, ils sont à 15 nœuds. Ah! 13 nœuds 9 pour moi, 15 nœuds 7 pour Scroll. 15 nœuds 1, 15 nœuds 9, ouais non ça va. Honnêtement ça va. Ça devrait aller. Ça devrait le faire normalement. Normalement ça devrait aller. 11 nœuds 4 là par contre on ralentit vachement. On est sous numéro 1. Enfin je me pose la question de savoir si si un numéro 2 serait pas plus judicieux. On va essayer de rouler et puis... Oh merde, la drisse, elle est... Pourquoi il n'y a plus la drisse, je sais même pas. Alors, on va l'envoyer. Et voilà. Ouais, non, pas bonne solution. Ben, on va rouler encore. Ah mais le truc c'est que pendant ce temps-là on perd du temps quoi, c'est chiant. En rouleur de numéro 1, choqué.
Ouais, non, c'est juste qu'on est. Bah là, en limite, on serait sous code 0, tu vois. On serait à la limite de pouvoir mettre le code 0, tu vois. 16-9-9, on peut dérouler le numéro 4 aussi. Ouais, de toute façon, on est tout le temps le cul entre deux chaises. 13-9-8. 14-9. Voilà, capot 94, ça c'est nickel. Ah, du coup, on va rester comme ça. Et du coup, on va se laisser là-dessus. Il est 15h49, presque 16h. On va se retrouver pour 18h UTC pour le prochain point. Parce que le prochain. Ouais, c'est 20h35, donc c'est bon. Donc on peut se retrouver à 18h UTC. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. 16h56, le dernier. Le dernier coucher de soleil. J'ai accepté. Là, j'ai accepté que tant pis, la vidéo sera monétisée pour les auteurs de cette musique. Mais au final, je veux l'écouter. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous la reconnaissez. Dernier coucher de soleil. Je sais pas si vous l'entendez bien, on va la mettre un peu plus forte. Alors ouais, je sais que là je sais que je vais me prendre un. YouTube va monétiser ma vidéo, c'est sûr et certain. YouTube va monétiser ma vidéo pour les auteurs de cette musique, mais de toute façon, c'est pas grave parce que j'adore ce qu'ils ont fait, donc ils méritent un petit peu d'un, ils méritent encore un peu de thunes, même si le film est vieux maintenant. Enfin, putain, c'est vrai que dans 2 ans, il aura 10 ans le film, quoi. Putain, c'est ouf. Ouais, il date de 2013. Ouais, dans 2 ans, il aura 10 ans, quoi. Il date de 2013. Il était sorti pour la Jacques Vab 2013, je crois. Un peu avant ou en même temps, je sais plus. Mais c'est surtout la musique d'après. Alors la musique d'après, c'est sûr que vous allez l'entendre aujourd'hui et vous l'entendrez pour l'arrivée parce que c'est la musique de l'arrivée dans Solitaire. Mais surtout le début, c'est la musique où on voit le dernier coucher de soleil. Ah, et je voulais juste en profiter et je reviens en même temps. J'ai les larmes aux yeux. Putain que c'est beau. Putain que c'est beau. À 18 nœuds, dernier coucher de soleil, dans 20 nœuds de vent. À 312 000 des Sables d'Olonne. Capot 93, on devrait faire du 95. On va juste vite fait changer ça. Alors ça c'est la musique normalement vraiment de l'arrivée quoi, mais. On est sous code 0, numéro 4, grand voile haute. On file à 18 nœuds à la 12e position. Et le soleil se couche une dernière fois. Dernière fois de ce Vendée Globe sur Sayo, ouais. Oh, c'est tellement beau, punaise. Tant pis, je sais que la vidéo va être. Mais c'est pas grave. C'est juste pas grave. Je peux pas résister à l'envie de le faire.
Bon, après, au cas où là, ça prenne pas, je vais. Bon, je vais couper, je vais refaire un. Je vais finir. On va finir le coucher de soleil sans la musique, mais. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau! Il se peut aussi que la vidéo soit bloquée, hein, mais ça m'étonnerait parce que j'ai vu la musique sortir plusieurs fois, donc. Oh, c'est tellement beau. Bon, du coup, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce coucher de soleil. Et voilà, bah du coup, on se retrouve maintenant sans la musique pour la suite de ce coucher de soleil. Sublime, on a 16 nœuds dans 18 nœuds de vent. Ça fonce, ça fonce, ça fonce, ça fonce. 16 nœuds 2. Demain matin au sable. Demain matin au sable et. Et voilà, oh, ça va être beau. Et voilà, les feux de nav se sont allumés pour la dernière fois. Pour la dernière fois de ce Vendée Globe. Dernière nuit en mer. Et on a fait le tour du monde. Tour du monde sur ça, ouais. C'est beau. C'est magnifique, c'est juste magnifique. On va prendre une petite photo quand même. Parce que dans solitaire, il prend en photo le coucher de soleil avec sa tablette, comme il l'a fait plusieurs fois, mais. J'attends de voir le soleil. Voilà. Voilà, parfait. On va regarder vite fait le routage, c'est pas là, c'est là, voilà. Le routage, on est un petit peu au-dessus là. On va regarder un peu la route à faire. Édité routage 3, tableau de marche. Sachant qu'on peut... Non, on peut pas encore. C'est à 10h qu'on aura les nouveaux fichiers. 94, ouais, bah c'est ce qu'on fait. 94. On va aller là pour voir la suite du coucher. Ah, oh, c'est magnifique. Trop beau, c'est trop beau. On arrive à quelle heure déjà au sable là pour l'instant? Ça me dit quelle heure? 9h45 demain matin. Ok. Je contrôle le scroll, par contre, je m'inquiète vraiment du retour de Olive et de Grand Tubino. Ils sont à combien derrière? Olive. C'est les mêmes vitesses, mais il y a moins de route, j'ai l'impression. 369. 310. C'est à moins de 100 000. Ils sont à un peu plus de 50 000. Scroll 340, 369, 369, 398, 310, 232, 340. C'est chaud quand même, ça va quand même être chaud, hein, cette histoire. En plus je vais être le premier à buter dans moins de vent. Putain, par contre là, faut que je roule le. Peut-être que je roule le numéro 4. Ouais, on va rouler le numéro 4. Ouais, non, ça calme pas le bateau. Hein. C'est toujours... c'est un peu chaud patate. Et voilà, le soleil qui disparaît. Bon, on va se laisser là-dessus. Et maintenant, on va se retrouver à... On va se retrouver à quelle heure? On va se retrouver pour... Il est 17h. UTC. Bah du coup on va se retrouver pour 19h. Tout à l'heure j'avais 18h mais j'avais oublié le coucher de soleil. Donc on va se retrouver pour 19h UTC pour le prochain point. Ouais, 19h ou 19h40 UTC pour le prochain point. Du coup je vous dis à tout à l'heure.
18h54 UTC, on est actuellement à 18 nœuds dans un monde de 18 nœuds 9. Et je suis de moins en moins rassuré parce que Scroll est assez loin quand même. Scroll est à bonne distance. Scroll est à 33 000. Par contre, on a eux là qui sont encore à. Qui sont à une soixantaine de mille derrière. 62 000, il va falloir résister toute la nuit à leur retour. Sachant qu'ils sont un peu plus sud, donc peut-être un peu mieux placés. Oh, ça va être chaud cette histoire, ça va être chaud, putain! J'ai relancé un routage avec les fichiers de ce matin et ça me dit il faut loffer là, il va falloir loffer encore. Donc le routage rose, de toute façon là faut descendre très vite maintenant. Maintenant il faut faire de la route vers les sables. On va faire un cap au 100. Cap au 100, 101. 100, 101, ok. On va loffer du coup. En plus, le vent a donné, donc ça c'est parfait, c'est juste nickel. Vent qui a donné, ça me plaît bien. Ça permet de loffer un peu. Voilà, 100, 101, c'est bien. Le vent a donné, on a 21 nœuds 4. C'est juste perfect. La voile d'avant est trop creuse, essayez de tirer sur les côtes. Mais ça a l'air d'aller en vrai. Hein. 21 nœuds. On va regarder comment fonce ceux du bas. Putain, ça me fout. J'ai. Ça va être très chaud, ça va être très chaud. Ils sont à 18 nœuds 9. 20 nœuds 1 pour Olive. 18 nœuds 9 pour Scroll. Grand Tubino, 20 nœuds 2. Oh putain, ils sont à plus de 20 nœuds. On a un nœud de différence. On a un nœud de différence. Et là, on part, on est trop JT. On a 112 degrés du vent, on va enrouler le numéro 4. Bordé. Voilà. Ouais, à peu près un nœud de différence, donc ça va. Un nœud de différence, ils sont au classement. Au classement, ils sont à. On va calculer vraiment précisément. Je suis à 274 000 de l'arrivée. Et Olive à 335. Donc. Je vais faire le calcul. 335 moins 274, c'est ça? Ouais, 74. Ils sont à 61 000 derrière moi. Donc théoriquement, à un nœud de différence, ça le fait. Mais il va falloir que je sois vigilant toute la nuit, quoi. Je vais rester vigilant une bonne partie de la nuit, je pense. Enfin, toute la nuit, d'ailleurs. 15 nœuds 5, il n'y a plus que 20 nœuds, on peut remettre du. Ah bah non, on est à 98 degrés du vent, le vent a refusé de nouveau. Oh merde. Ah, fait chier. Bah, 19 nœuds, on peut remettre le numéro 4. Voilà. Mais là, on se prend 5 nœuds, et 5 nœuds, 5 nœuds, c'est tout de suite plus compliqué, quoi. Bon, le vent réadonne, 102, 103, 104. Mais le problème, en plus, c'est qu'on sait que normalement, le vent va refuser encore. 106, 101, 99, 100... Ah non, 111. 112, 115. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller, finalement. Pendant un moment, j'avoue, j'ai pas regardé vraiment le fichier jusqu'au bout là, mais ça devrait aller. 115. Non, ça devrait aller en fait. Pendant un moment, on avait un risque de refusante vers l'arrivée, et en fait, finalement, ça a l'air d'aller. Si je regarde, ouais, on a le vent. Et ensuite, clac, et on arrive et on a un vent plutôt bien orienté. Non, ça va, c'est bon. Mais faut qu'on tartine, quoi, faut qu'on fonce. Et là, on est à plus de 22, donc c'est cool. Bah du coup, on va se laisser, et puis on se retrouve dans une heure, je pense. Même si je pense que je vais pas quitter le devant du PC, là. Je vais pas quitter le bateau, je pense. On verra si c'est possible ou pas. Sachant qu'on a, on a une manœuvre à 22h30 UTC.
On sait que le bateau il a du mal à tenir le cap. Là maintenant il va vraiment falloir tenir un cap parce que là, vu qu'on en approche, tout mille fait vers le nord là et un mille perdu donc. Donc ouais, non, non, faut que je reste devant. Bah du coup je vous laisse et on se retrouve dans 1 heure pour faire un nouveau point. A tout à l'heure. 19h39 UTC, on est en train de rentrer sur le plateau continental. Bon, il y a encore 2900 mètres de fond mais on est en approche du plateau continental, même si là on le longe légèrement. Mais on devrait l'atteindre d'ici. Si on reste sur ce cap-là, on l'atteint d'ici 84 000. Bon, il y a encore un peu de marge quand même. Environ 4 heures du coup, avant de rentrer dessus. Actuellement, on a 17 nœuds 3 dans un vent de 19 nœuds. Sous numéro 4, code 0, grand voile haute. Grand voile haute. Toujours capot 101, 100, 101, c'est très bien. On fait route sur les sables. On résiste toujours au retour de Grande Tubino et de Olive. Putain, ça va être dur. Ça va être dur cette nuit. Ils sont, ouais, 76 000 ici, à peu près 60. Ouais, une soixantaine de. Juste 60 000 derrière, quoi. On va voir leur vitesse. On va regarder un peu leur vitesse. Ouais, Cosmin va rester devant. Il est à 196 000 de l'arrivée. Et donc scroll à 18 nœuds 2, on va à peu près aux mêmes vitesses. 19 nœuds 6, 19 nœuds 1. Là c'est juste que j'ai été pris en plus à un moment où j'allais un peu moins vite, mais 18 nœuds 4, ouais, on est à peu près aux mêmes vitesses. Ça reste assez proche. Ouais, 19 nœuds 7. Il suffit qu'ils aient été pris aussi dans un moment où ils étaient en speed. Enfin, voilà, les vitesses, c'est pas des vitesses moyennes, ça devrait être des vitesses moyennes en vrai. Ils devraient mettre des vitesses moyennes. Peut-être que ça arrivera sur ça, ouais, 3, peut-être. Mais pour l'instant, on n'a pas des vitesses moyennes, on a des vitesses instantanées, quoi. Ce qui fait que c'est compliqué de savoir si il va vraiment plus vite ou pas, quoi. On fait capot 100. On va se remettre au 101, par contre. Voilà, 101. Là, on essaie vraiment de commencer à descendre. On est à 111 degrés du vent, donc on est bien. On est plutôt pas mal. On va régler le bateau. Bah, le bateau est réglé. 99, 99 et 98, c'est très bien. 18 nœuds 2. Ok, bah du coup, on va se laisser là-dessus. Et bah on va refaire un point. Là, ça y est, ça se confirme, je vais rester devant tout le temps. On va refaire un point à. Vers 21 h UTC. On va refaire un point vers 21 h UTC. Bah pour voir un petit peu comment ça se passe. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. 21 h 02 UTC, on est actuellement à. Combien? On a 18 nœuds dans un vent de 17 nœuds. On est plutôt bien, ça va. On maintient notre écart avec le petit groupe de derrière. Ça se trouve, je stresse vraiment pour rien, mais il y a Scroll qui est encore derrière, mais il est un petit peu distancé. Et là, eux, ils sont encore assez loin. Hein. Ils sont loin même, ouais. Je suis à 237 000 et ils sont à 295 000. Donc, ouais, à peu près 60 000. À peu près 60 000 d'écart. C'est ça, attends. Dans Scroll est plus proche, mais attends, 295 000. Ouais, attends, non, mais je vais calculer comme ça parce que. Sinon, je viens de dire une grosse connerie. Puis ça peut me rassurer en même temps. Même si on va quand même faire une nuit blanche. Enfin, je vais pas dormir cette nuit, mais. 295. Moins 237. Ils sont à 58 000. 58 000 derrière, donc pour l'instant ça va encore. Les vitesses sont à peu près semblables. 17 nœuds, Olivier à 21 nœuds, mais par exemple, Grand Tubino est à 18 nœuds. Ça, ils s'inversent un peu leur position de temps en temps, les deux là, mais ça va. Honnêtement, je m'inquiète pas trop. J'ai relancé un routage et là vous allez voir que bah, la route descend un petit peu plus. Et je pense que je vais garder ça. Route, éditer route. Routage 5. Et je pense que je vais descendre. Parce que j'ai envie de quand même d'aller les contrôler. Tu vois, j'ai envie de me caler devant eux. Donc une route au 104. 104, 104, 104. Jusqu'à 1 h 20 UTC. Donc route au 104, c'est parti!
Donc on va loafer un peu. 101, 102, 103 et 104. Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a des réglages à faire? Non. Et non. Parfait. 16, 9, 8. On va aller contrôler. Vraiment, j'essaye d'aller me recaler en fait petit à petit. C'est l'idée. Même si je finis juste devant eux, c'est pas très grave. Mais aller me caler devant eux pour pouvoir contrôler, voir la même vitesse que tu vois. Et éviter qu'ils puissent me déborder par le sud. Et le routage me dit de le faire. Le routage me dit d'aller par là. Donc je vais. Ça m'arrange, tu vois. Ça m'arrange. C'est qui ça? Bitnik, ouais, Bitnik, bon, il est loin. Bitnik, il est loin. Je vais pas. Ouais, non, il a 75 000, j'ai pas trop à m'inquiéter de lui. Je suis quasiment dans son axe, donc c'est bon. Par contre, E2, ouais, vraiment, c'est mon inquiétude pour l'instant. Bah, du coup, on va se laisser là-dessus. Et maintenant, on va se retrouver. Il est 21h05 UTC. On va se retrouver à 23h UTC pour le prochain point. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. 23h35 UTC, on se retrouve actuellement à 16 nœuds 7 dans un vent de 15 nœuds 3. On est sous code 0 numéro 4 grand vol haute. Bon, malheureusement, la dernière nuit est nuageuse. La dernière nuit est nuageuse. On voit pas les étoiles, mais bon, c'est pas très grave. Sachant que là, la caméra est pas très bien placée. What? Pourquoi je. Bon, voilà, on va faire ça. Hop, voilà. Et on va revenir à notre place. Voilà, parfait. Donc on a 16 nœuds. Bon, grande pas grande tubino, mais Cosmine va finir devant. On arrive à garder notre place sur Scroll. Donc ça c'est cool. Et eux derrière, ils viennent plus. Enfin, ils reviennent quasiment pas quoi. Et on est en train de se recaler devant eux. Donc ça c'est super bien. C'est une super bonne nouvelle. Donc on va aller voir, j'ai fait un nouveau routage parce qu'on a les nouveaux fichiers. Parce que oui, j'avais dit 23h, en fait on est 23h30 UTC. Et mais c'est juste parce que j'attendais les nouveaux fichiers. Et on voit que bah clairement ça va être simple. Enfin simple. On va avancer quasi en ligne droite quoi. Mais c'est juste que je veux pas que le bateau change de cap tout seul. Donc on va rester là. On va le surveiller. Je vais le surveiller. Pas tout le temps en vidéo, hein, évidemment. Sinon la vidéo ferait des heures. Déjà qu'elle va risquer d'être un peu longue. Alors le cap. Le cap à suivre. On va pouvoir réamettre un petit peu. C'est quasiment faire route directe en fait. Jusqu'à 1h du mat. 1h UTC. 101. Jusqu'à 1h UTC, c'est quoi comme cap? 1h ici. On va faire un 101. Allez. On a battu quelques degrés du coup. De pas grand chose, mais c'est déjà ça. Voilà. 17 nœuds 5. On va régler le bateau s'il y a besoin. Si notre tirateur d'écoute est de compenser avec l'angle du barbeur. Et on va relâcher du barbeur horizontal. Choqué. Voilà. On lâche du barbeur. La valve d'avant est trop creuse, essayez de tirer sur l'écoute. La valve d'avant. On va tirer un peu sur l'écoute déjà. Border. Voilà. Et soulager le barbeur vertical. Choqué. Voilà, parfait. Nickel. Et le code 0, on est bon. Efficacité des voiles 98, 100 et 100. Donc c'est nickel. Et du coup, bah, on va finir là-dessus. Donc c'est la fin de cette journée de navigation. Mais c'est pas la dernière vidéo de la journée. Parce que la dernière vidéo. Enfin, vous allez avoir la nuit là. La vidéo de cette nuit. Enfin, qu'est-ce qui va se passer là cette nuit. Jusqu'à un peu avant l'arrivée, ça va être une vidéo qui va sortir à 16h. Qui elle sortira normalement et à 18h. C'est que ça tombe bien, il y a le couvre-feu qui commence à 18h. Vous pourrez tous être là. À 18h, il y a la vidéo de l'arrivée qui va être un grand moment.
arriver à remonter du chenal en avant-première sur YouTube. Donc vous pourrez discuter avec moi dans le chat. Donc j'espère que vous serez là. J'espère que quelques personnes seront là pour qu'on puisse discuter. Ça peut être bien. Et puis ça va être un grand moment d'émotion pour moi aussi. Donc je compte sur vous. Ça va être un grand moment. Et bah du coup, on va se laisser là-dessus. Et je vous donne rendez-vous pour le... pour la vidéo de ce qui se passe cette nuit à 16h. Voilà. Bah du coup, je vous dis à toutes.